Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobiti, vous êtes sur la chaîne Les Jeux du Cygne et on se retrouve aujourd'hui pour un roguelike qui s'appelle Dungeon Clower. Avant de commencer, je tiens à remercier Strayphone Studio pour la clé qui m'a été offerte. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, eh ben, y aura tout simplement d'autres clés à gagner. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc pour l'instant, le prix ne m'a pas été communiqué puisque je tourne cette vidéo un petit peu en avance par rapport à la sortie en Early Access. Le speech du jeu, eh ben, on va aller le voir tout de suite. Tout simplement, alors le jeu est jouable à la manette ou à la souris. Moi, je préfère ma manette. Et donc, on va jouer Sir Bonalot. Alors, il y a d'autres persos. Il y en a certains paquets. Mais nous, on va jouer Sir Bonalot, qui est le personnage qu'on peut voir dans le trailer du jeu, où tout simplement, eh ben, il perd toute sa fortune en Paris et cède sa dernière possession, c'est-à-dire sa patte de lapin, sa patte. C'est pour ça qu'il se retrouve avec une petite pince à la place de la main. Et il veut la récupérer! On part en difficulté normale. C'est parti. Alors, du coup, comment ça se joue? On avance dans un donjon, puisque c'est un donjon crawler. Et on a tout simplement, eh ben, un deck qui est ici, qui apparaît dans la machine à pince. Donc on peut avoir un peu un aperçu de où sont les objets. On peut avoir un aperçu de ce qu'on a choisi, le donjon. On peut cliquer pour savoir un peu ce que les gens vont faire. Alors, ils vont essayer de nous attaquer, bien évidemment. Nous, on va essayer de se défendre. Ok, donc, ce qui se passe, c'est qu'on loue les objets, bah, dans le sens où ils tombent dans la boîte, dans la sortie. Donc, on n'a pas forcément le contrôle sur ce qui se passe, mais on a un certain contrôle sur, bah, ce qu'on met dans la boîte, ce qu'on met dans la machine et ce qu'on essaye d'attraper. Il faut un petit peu plus d'armure. Et parfois, bah, y a des choses qui s'échappent, hein, qu'on essaie d'attraper et... Décidément, ces petites créatures, elles tapent fort et vite. Je devrais pouvoir en tuer une, même si c'est pas celle qui va me faire des dégâts. Ah, il lui reste un PV. Zut. C'est pas grave. Il nous reste encore de l'armure, c'est tout le principe de l'armure, c'est qu'on a de la chance. Elle reste entre les tours. Et donc on a le droit à deux pinces à chaque tour. Aïe aïe aïe! Ils essayent de m'assassiner! Je vais essayer comme ça. Je devrais pouvoir tuer le premier. Ouais. On a suffisamment d'armure pour encaisser. Allez. Ah, il y a plein de choses qui se sont barrées, dommage. On a à peine assez d'armure. Parfait. Bon, bah là, il suffit de taper gros et fort. Et ça devrait bien se passer. Voilà. Donc, on a le droit de choisir une récompense. La grenade empoisonnée qui peut s'améliorer. Elle appliquerait 3 de poison à tous les ennemis. Ok. Le
Le petit bouclier, qui est le même que celui qu'on a déjà, qui peut être amélioré. Ok. Et le biscuit chinois, qui peut appliquer un buff et nous infliger poison. Génial. Bah, je vais quand même prendre le biscuit chinois, qui est de type plastique. Pour jouer un petit peu aussi là-dessus. Parce que pour l'instant, je n'ai que des objets en bois dans ma machine. Et on verra qu'il y a des choses intéressantes qui se passent quand on commence à avoir des choses en métal, en plastique. Devrait pouvoir tuer le premier. Presque. Voilà, on a tué le premier. Ça se passe bien. Donc il y a 20 étages au donjon, on le voit tout en haut. Et pour l'instant, on est au premier étage. On va bien entendu essayer de survivre. Jusqu'au 20e étage. Ben, on n'aura pas vu notre biscuit chinois. Est-ce qu'on prend un deuxième? Ah! Est-ce qu'on prendrait pas de l'eau? Oh bah ben oui. On va prendre de l'eau. Parce que la machine devient encore plus marrante avec de l'eau. Alors, je crois que cette machine s'appelle l'atoumatique. Et elle nous permet d'avoir des atouts. Augmente la portée. Arme empoisonnée. Oui, allez, arme empoisonnée. Alors, un feu de camp ou un trésor, de nouveau un atout. Allons-y, on lance la machine. Donc elle nous sélectionne deux objets. S'il y en a trois qui tombent, bah, tant pis pour nous, il n'y en aura quand même que deux. Oh, ça c'est bien. Ça c'est bien aussi. Parce que l'épine permet de faire des dégâts à l'attaquant en fait. Mais ça, j'avoue que j'aime bien. Hop! Et ici, on vient se soigner, bien évidemment, avec notre machine à pinces. Alors, moi, j'ai pas vraiment besoin de soins, j'ai besoin de petits cochons. Venez les petits cochons en or. Donnez-moi de la thune. Merci. Et de nouveau un combat. Ah, super, on a notre eau. On va pouvoir commencer à montrer les choses qui peuvent se passer dans notre machine. Donc voilà. J'ai mis de l'eau dans ma machine. Donc pour l'instant, je crois que j'ai aucun objet qui réagit avec l'eau. Mais du coup, je me retrouve avec des petites choses compliquées. C'est-à-dire que les boucliers flottent. Parce qu'ils sont en bois. Et par contre, les épées, eh ben, elles ne flottent pas. Pas tout à fait, pas tout le temps. Voilà, donc je me. J'ai suffis. Ouais, il a de l'épine, faut que je fasse gaffe. Hein. Il a de l'épine, il a de l'épine. Et j'imagine que plus le temps va passer, plus il va en avoir. Ok, une petite esquive, bienvenue. Alors c'était peut-être une erreur complètement stratégique de mettre de l'eau, hein, mais je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc mon esquive est partie malheureusement. Alors l'eau diminue hein, toute seule hein, au fur et à mesure. Sauf si on en remet. J'aimerais bien attraper une arme quand même. Non, décidément, il n'y a que les boucliers qui veulent venir. C'est pas grave. Voilà, ma machine s'est asséchée. On est reparti.
Excusez-moi. Ouais, son épine monte au fur et à mesure, ça va être costaud. Costaud, costaud. Ah, surtout si j'arrive qu'à attraper mes boucliers. Mon armure est partie, bien évidemment. Ça serait pas marrant sinon. Il faudrait que je prenne l'objet qui permet de le garder entre les tours. Par contre... Ouh. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Ok, j'ai une attaque empoisonnée. On va quand même prendre des boucliers, hein. Parce que 12 d'épines, quand t'attaques deux fois, bah ça fait 24 de dégâts, hein. Il a toujours 12 d'épines, ça commence à me casser les cacahuètes. Cet ennemi, aïe. J'ai rien pour me soigner. Aïe aïe aïe. J'ai plus que 70 PV. Bon, il en a plus que 33, hein, mais... Le problème, c'est que mes PV, eh ben, ils sont pas conservés... Enfin, ils sont pas soignés entre les combats. Ça servait à rien de me mettre autant d'armure. Si j'arrive pas à attraper quelque chose pour... attaquer. Aïe 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 aïe. Oh, on a de la chance. C'est notre poison qui a fait le taf. Oh, c'est sympa ça. Je vais tenter. Bah, en vrai, j'aimerais bien du soin. Mais j'ai la chance d'en avoir à peu près pas nulle part. Donc je vais prendre. J'ai été soignée. Pourquoi j'ai 110 PV? J'ai pas 110 PV normalement. Alors ici, on peut broyer les objets. Donc moi, je peux pas le faire. Je ne peux pas me débarrasser de mes objets. Ici, on est chez le forgeron. On peut améliorer des objets contre de l'argent. Donc je vais améliorer deux boucliers, je pense. Voilà, j'ai plus de sous. Ah, j'ai plus de sous. Ici, on peut faire de l'alchimie. On peut transmuter les objets. C'est-à-dire que du coup, au lieu que la dague soit métal... Donc la dague est métal, elle va devenir par exemple tissu, ou verre, ou plastique. Ce qui va permettre de faire fonctionner, de faire proquer différents petits buffs. Donc là j'en ai pas pour vous montrer, mais on peut avoir des petites choses marrantes. Donc il y en a un qui va attaquer et l'autre il va faire un scarabée. C'est pas très gentil. Ah oui, j'ai été soignée. Bah, il me semblait qu'on n'était pas soigné entre les tours. C'est étonnant. Pourquoi j'ai été soignée? Peut-être encore des petits bugs, mais bon. Honnêtement, je trouve que le plaisir de jouer est là. Alors, il nous a rajouté, bien évidemment, des petits trucs poisonneux, tout dégueu. J'aimerais bien attraper mon épée. Alors on va... Ouais, on a pris des dégâts. Heureusement, j'avais de l'armure. Hop. Ouais, on va prendre un petit peu d'épines, là. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais vraiment du soin pour me soigner.
Pour l'instant, on n'a rien dans notre deck pour se soigner. Ça devrait le faire. Hop. Il nous reste une petite attaque à faire. Et voilà, un bouclier à pointe. J'aime bien. La hache de guerre, j'aime beaucoup. Oui, voilà, j'ai que 109. Donc, ok. Donc, ici, on a Madame Lapin, qui s'appelle Ar-El Queen. Et elle veut qu'on attrape ce genre de choses-là. Alors, bien évidemment, hein, les petites choses qui sont tout autour, elles vont nous faire des dégâts. Ça serait pas marrant, sinon, et bien évidemment, je peux pas m'en débarrasser une fois que je les ai attrapés. Donc, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça a un peu dégagé le chemin vers là. Donc on va peut-être... Ouais, voilà. On va pouvoir avoir des récompenses. Aïe. Ah non! Aïe. Alors, je peux ramasser les deux. Donc je peux ramasser soin critique et coussin à épingle. Je prends les deux. Et j'ai toujours rien pour me soigner. Alors, on va avoir quelqu'un qui va soigner les autres. Bien évidemment, il soigne celui que j'ai pas réussi à tuer. Hop. Un petit bouclier, une petite hache. Si je pouvais faire ça, le premier serait mort. Voilà. J'ai pas assez de boucliers, je vais prendre un peu de dégâts. Ah, c'est peut-être mes atouts, tout simplement, qui m'ont soigné tout à l'heure. C'est vrai que je les regarde à l'occasion. Voir un petit rappel. Hop. Tiens, une fournée d'épée, mon coco. Meurs. Alors, une pompe de bain de lave, j'aime. Une vitamine. Ouais, un petit bouclier. Non, je vais prendre la pompe de bain de lave. Et effectivement, je vais regarder un petit peu mes atouts. Chaque attaque applique 7 attaques. Chaque attaque, attends. Ah oui, restaure 8 de vie si je tue un ennemi avec un coup critique. Ok, j'ai un peu ça qui me soigne un peu. Mais c'est tout. Ok. Allons au boss. Ouais, la salle de récompense est remplie d'eau et j'ai droit à une tentacule. Quelle bonne idée. Voilà, je suis soignée et j'ai de la thune. Enfin, pas énormément, mais suffisamment pour aller taper ce boss. Ok, donc il va se booster, j'imagine. Voilà. Donc on va essayer de le taper pendant qu'il fait rien. Ah, par contre... Oui, c'est ça. Moi, je lui ai infligé du poison. Tout est normal. Tout va bien. Oh non, pas des boucliers. J'en ai rien à faire des boucliers. Je voulais les petites épées qui étaient en dessous. Alors, du coup, il va nous attaquer. Il va augmenter son armure. Et il s'est mis armure persistante. Ok.
Alors, voilà, j'ai assez d'armure. Et on va s'amuser un peu. Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'on va s'amuser un peu? Parce que je vais essayer de choper ça. Ah, je l'ai pas eu. Je voulais la petite boule de lave. Il fait 19. Pour l'instant, j'ai pas encore assez. Ah, elle veut pas venir. Elle veut pas venir. On va y arriver, hein. Donc les objets plastiques flottent, le bois flotte, mais le métal, lui, il coule au fond. Il va nous faire 25 de dégâts. Ok, bon. Les choses sérieuses. Du bouclier. Ah, l'épée est tombée! Il va nous faire, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va nous faire comme dégâts? Voilà, donc j'ai transformé l'eau en lave. Et je nous rajoute un peu d'armure. Mon Dieu, j'espérais en avoir plus. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, toutes les petites peluches qui d'habitude nous embêtent, eh ben là, elles sont tout simplement de la lave. C'était nul ce tirage, chouchou! Celui-là est pas beaucoup mieux. Hein. Heureusement que tu lui mets du poison, mais... on va essayer de diminuer un peu le tas. Hop. Là, il y a plein d'armes. On va essayer d'en attraper une. Je voulais la grosse hache! Il va encore nous attaquer avec une grosse armure. Ah là là. De l'armure, de l'armure. Ah. Aïe 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 aïe. Mon Dieu. Il va nous faire hyper mal. Et moi, je fais des tirages hyper mauvais. Non, pas de chance. L'eau n'a pas été attrapée. Encore un peu de bouclier. Encore un peu d'attaque. Je vais l'avoir à l'usure, mais ça va me faire hyper mal. Ah, je voulais le lâche. Bon, ah, du coup, on a tué le boss, ça nous a soigné. Ah, c'est ça qui nous a soigné tout à l'heure. Ok. Le premier objet attrapé de chaque tour est utilisé 2 fois. Ça me plaît quand même assez. Une armure. Allons-y. Je suis nulle à ce jeu. Ouais, voilà, je suis nulle à ce jeu. Ma thune, mon argent, je veux l'objet. Hop. Ouais. Armure lourde. Oui, je prends. Alors, est-ce qu'on va d'un côté ou est-ce qu'on va de l'autre? Ben voilà. Alors, le forgeron, je crois que j'ai rien pour... avoir des choses intéressantes. Ouais, je vais quand même faire ça. J'ai pas énormément de thunes, hein, donc... Ouais, c'est ça. Donc, je peux plus rien améliorer, ça y est.
Ah, est-ce que je voudrais un deuxième biscuit chinois? Bah oui, je vais essayer. Mais j'ai vraiment plus beaucoup de thunes, hein. Ah, trop lent. Oh, mais où tu vas? Où tu vas? Oui! Parfait. Et on va prendre bah, le gros combat. Je pense qu'on est pas mal. Allons prendre le gros combat. Ok, donc il y en a un qui va nous faire 13. Et les autres, ils vont se buffer, enfin se mettre de l'armure. Donc on parle plus de celui-là. Ok, un petit peu de vol de vie, c'est cool. Ok, lui il va faire 8 et lui il va soigner. Ah, bah visiblement, j'ai réussi à débloquer un personnage. J'ai pas du tout regardé les conditions qu'il fallait pour les débloquer, donc. J'avoue ne pas savoir ce que j'ai fait pour la débloquer. Mais c'est pas grave. Voilà. Un petit bouclier, un antidote. Ou un couteau en plastique. Un antidote. Alors, il y en a un qui va attaquer. Il y en a un qui va buffer. Et l'autre, ok. C'est quoi ça, c'est? Tu rajoutes des objets dans notre machine, c'est ça. Hein? Espèce de gros méchant. Voilà. Tu rajoutes pas d'objets dans notre machine. Ok, ils se sont mis de l'épine. J'avais pas besoin d'autant de boucliers, j'en ai déjà 10. Même si ils vont faire mal. Ouais, j'ai pris un petit peu. Ok, celui-là est mort. Ok, donc celui-là, on va essayer d'attraper du dégât. Voilà, du dégât, c'est parfait. Une batterie, une hache de guerre. Je vais essayer de garder des objets assez cohérents. Oh, t'es trop lent, t'es trop lent. Ok, t'es trop lent, t'es beaucoup trop lent. Une épée ténébreuse. Ok. Bon, on va nous faire des dégâts, on va voir ce que ça donne. Alors, ils vont se buffer. Voilà. Ils vont nous faire des dégâts. Beaucoup. Ah, je voulais attraper le marteau. Il est quand même vachement puissant cet atout qui nous permet d'utiliser notre premier objet de deux fois.
Je voulais des dégâts. Rip. Enfin, non, pas rip, mais j'arrive pas à attraper mes grosses armes. Donc, ils vont nous faire des dégâts. Le premier, voilà, le premier est mort, c'est parfait. Le deuxième, on va faire à peu près pareil. Oh non, c'est tout nul ça! Ok, il a 27 d'armure. On va essayer d'attraper les grosses armes qui sont là et qu'on essaye d'attraper depuis le début. Oh, pas mal, pas mal, pas mal. Il me suffit d'une petite épée, là. Et on est bon. Voilà. Une seringue, un thermomètre. Une vitamine. Bon, je vais relancer, je suis pas fan. Je veux bien un biscuit chinois. Alors, on a le choix entre deux boss. On va aller faire celui-là. Alors, petit peu soin. Tentaculon. Ah non, le petit cochon, arnaque. C'est parti. Donc on est contre l'abeille. L'abeille qui va nous coller des choses avec du miel. C'est parti. Donc, je lui fais des dégâts. Ok, je me suis mis un miroir. C'est pas mal. Ah voilà, c'est qui nous a collé nos trucs. Vous allez voir, c'est très marrant. Voilà, un coup utilisé pour rien. Alors qu'en plus, ça va nous faire plein de dégâts. Merci. Parce qu'en fait, les petites boules, eh ben, les petites boules de miel, elles collent tout entre eux. Ce qui fait que, eh ben, c'est hyper, hyper compliqué de choper les gros amas. Parce que tout simplement, tout est collé, donc voilà. Voilà, j'ai absolument rien réussi à emmener. Ah, donc, la bonne nouvelle, c'est que le jeu nous aide quand même un peu. Quand il y a de l'eau, ça colle plus. Et il nous met de l'eau régulièrement, histoire qu'on soit pas stuck face à l'abeille. Ce qui serait un peu vicieux. Bien évidemment, ça veut pas dire que nos objets ne peuvent pas fonctionner. Hein. Nos objets peuvent complètement fonctionner. En plus, hein, ceux qui donnent de l'eau ou qui transforment l'eau. Elle nous a remis. Je vais essayer de choper mon eau. Même si en vrai, ça serait bien que je chope de quoi soigner. De quoi éviter les dégâts. Ah ouais, mon eau était trop coincée. Je vais prendre un petit peu cher. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Oup. Je suis pas mal niveau de défense. On l'attaque un petit peu. Déjà, ce qu'on va faire, c'est... On va remettre de l'eau jusqu'en haut.
Voilà. On prend quand même un peu cher, hein, et l'eau s'en va quand même. Mais... elle a plus que 27 PV. On devrait quand même pouvoir s'en sortir. Voilà, surtout avec les petits dégâts qu'on lui a donnés. Ah, on peut avoir faiblard. Coupure profonde, j'aime bien coupure profonde, on va prendre la récompense. Oh, je sais pas ce que c'est cet objet. Ah si, ça doit être un aimant. Il tombe très vite celui-là. Pense magnétique. Ok, sympa. On va s'arrêter là pour cet épisode, mais pas pour ce petit donjon. J'espère que ça vous a plu. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire que vous participez au giveaway si le jeu vous a plu. Vous laissez juste un petit commentaire en mode « Je participe pour le giveaway » et le signe verra comment il gère ce giveaway. Ce sera probablement un tirage au sort parmi les participations. J'espère que le jeu vous a plu et je vous dis à tout de suite pour la suite. Bye bye!